Ce site de 3 hectares à la zone industrielle de Kossoudou à Ouagadougou fait office d'unité de production d'huile alimentaire. Les analyses des services habilités confirment que l'huile produite ici est impropre à la consommation humaine. Cette activité clandestine d'une association a été découverte suite à une enquête ouverte grâce à une information anonyme. Le principal auteur est une dame, la nommée YF. Et cette dernière fait partie d'une association qui a eu son récépissé au courant le mois de mars 2017. Mais cette dernière également est une reprise de justice. Elle avait été condamnée pour les mêmes faits par le TGI de Ouagadougou. Et continuant toujours dans nos investigations, on s'est rendu compte que le récépissé de l'association, le récépissé était destiné à la production et à la commercialisation du savon. Donc, Madame YF a détourné le récépissé pour produire non pas du savon, mais d'huile alimentaire et qui s'avère être impropre à la consommation. L'huile était principalement commercialisée à Koudougou dans le Boul Kiemdé, à Guibasso dans la boucle du Mhoun et à la frontière d'un pays voisin à 15 500 francs CFA, les 20 litres. On a pu saisir 912 bidons d'huile de 20 litres. 211 fûts, dont 43 fûts remplis d'huile. Donc c'est une partie des saisies comme ça. Âgés de 14 à 48 ans, les 8 personnes interpellées le 23 février dernier ont été conduites devant le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouaga 1. Elles sont poursuivies pour production et commercialisation d'huile impropre à la consommation, tromperie de consommateurs et blanchiment de capitaux.